Entreprendre à l'international, c'est le thème aujourd'hui. Le nom même de notre agence d'architecture, 2 et demi, est le reflet de cette internationalité. Nous sommes trois architectes associés, Sarah Lazzarine, malheureusement absente aujourd'hui, Alessandro Baldrini, oui, à mes côtés, il est là, et moi-même, Mathieu Chaput. Nous étions alors tous les trois salariés d'une même agence et nous avions pour ambition de créer notre propre structure. Il nous fallait alors trouver une identité, un nom. Quelle étape importante. Quel même grand premier défi que de trouver le nom qui va nous représenter pendant des années, qu'on va défendre, dont on va parler comme aujourd'hui, et qui sera affiché sur nos projets. Après plusieurs essais pas très concluants, qui consistaient à manier de façon aléatoire les initiales de nos prénoms, nous nous sommes regardés, et nous sommes surtout écoutés. Nous avons entendu ce doux accent de Sarah et Alessandro. Mais tout léger. Hein. Et Alessandro s'est souvenu d'un film culte italien, Otto e mezzo, 8 et demi, de Fellini. De là est né 2 et demi. Nous sommes deux Italiens, Alessandro et Sarah, et demi, moi-même franco-italien. Mais le contexte même de création de notre entreprise est imprégné par cette internationalité. Nous étions alors salariés d'une agence japonaise, ici à Paris. Nous nous présentions à un promoteur allemand pour participer à un concours en Italie, dans la lagune de Venise. Le concours, nous l'avons gagné. Et ce projet, avec sa portée internationale, est devenu notre premier projet en commun et grand départ de l'agence de Henley. J'insiste un peu sur le demi, non pas pour parler de moi, mais pour souligner le sens de ce terme. Car en réalité, il nous représente tous les trois. Le demi n'est pas à considérer de manière négative comme la moitié à laquelle il manquerait une partie, mais bien comme la moitié d'une double identité. Cette double identité où la volonté de croiser des horizons vecteurs d'inspiration dans nos projets. En effet, plusieurs de nos projets sont le reflet de cette volonté de croiser à la fois nos racines fortement ancrées en nous et chères à nos cœurs et la volonté de regarder vers l'ailleurs. Le premier est un projet de maison intergénérationnelle en Bretagne. Il s'agit de quatre petits bâtiments distincts orientés autour d'un jardin pour lesquels nous souhaitions trouver une unité. L'environnement marin nous a alors inspiré et nous a rappelé d'un cours en école d'architecture qui traitait d'une technique ancestrale chinoise, donc on était entre la Bretagne et la Chine, quand même, qui utilise un matériau pour le moins cocasse en construction, la coquille d'huître. Ce matériau nous paraissait tout à fait approprié dans le contexte maritime de ce projet. Parfaitement. Nous l'avons appliqué à tous les rez-de-chaussée des bâtiments et nous avons réussi à créer une unité, une identité commune forte à l'ensemble bâti et à l'ancrer dans son environnement unique. En fait, après ce projet d'inspiration chinoise, l'esprit d'entreprendre et d'imaginer d'autres façons de penser nous ont amenés en Chine, où nous travaillons actuellement pour le développement d'un quartier dans une ville près de Shanghai. Et c'est bien dans le cadre de ce partage de culture internationale que pour le développement de ce projet, que je pourrais définir comme réinventer un quartier, nous avons proposé un modèle inspirateur de tissu urbain des villes italiennes. Les places, dessinées par les bâtiments qui les enrobent, ou les porches encore qui les entourent. Les ruelles. Ouais, on a des beaux souvenirs. Mais surtout les places, cet élément incontournable de l'urbanité. Ce lieu où les gens de tous horizons finalement se rencontrent sans aucune différence. Mais si nous voulons parcourir un peu en arrière notre chemin et arriver un peu au début de nos racines, d'une certaine façon, nous nous retrouvons il y a 3 ans, pas très loin d'ici d'ailleurs, mais en plein chantier pour la construction de la scène musicale et notamment de l'auditorium. Le bâtiment en forme de bulle vitrée qui se trouve pas loin d'ici, justement, juste posé sur la pointe aval de l'île Séguin. Et c'est bien dans ce projet, qui a été conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban et par son associé Jean de Gaffine, que déjà nous nous sommes rencontrés et que cette transposition d'éléments constructifs internationaux trouve un de ses plus beaux témoignages. En fait, si vous regardez bien la façade de l'auditorium, vous allez vous apercevoir d'une fine trame qui se dessine sur sa surface.
une trame qui est composée d'hexagones et de triangles. Cette trame n'est rien d'autre que la transposition dans les mondes de l'architecture d'un élément typique du commun, du quotidien artisanal du monde oriental, le tressage en osier. Le tressage en osier, c'est une technique avec laquelle on produit communément deux paniers, de tissus. Des chapeaux. Ouais, des chapeaux, il en faudrait un. Et bien le panier. Et tout à fait, cet élément, ce tressage, prend dans la scène musicale une dimension presque monumentale, déjà par la dimension de l'ouvrage qui ne semble pas négligeable, mais surtout une fonction très particulière. Sert de crin, l'écran protecteur de la salle des musiques. Un écran transparent et tout précieux. Peut-être que ce n'est pas trop la peine de rentrer dans les détails techniques. Non, bon, on n'a pas l'air une autre fois. Mais le tressage, je peux vous dire qu'a été, d'une certaine façon, une réponse très adaptée à résoudre les problèmes structurels qui étaient induits par la complexité de la forme ovoïdale de cet auditorium. Mais surtout, le tressage était la réponse la plus adaptée à l'expérience architecturale. Car quand vous baladez, et j'espère que vous l'avez déjà fait, sur les déambulatoires du foyer de l'auditorium, vous vivez une expérience sincèrement unique par la vue époustouflante que depuis ces hexagones qui sont tissés par cette trame donnent sur le paysage qui environne la scène musicale. Mais bon, ce tressage, ce panier, cet auditorium, il a fallu aussi le construire, au-delà d'en parler avec beaucoup de poésie. Et c'est vrai qu'après 2 ans et demi d'études, de maquettes, de modèles, notamment sur lesquels Mathieu et moi, on s'est quand même... Cassé la tête. Voilà, tu m'as volé les mots. Mais on est arrivé sur le chantier. Et sincèrement, au début, on n'était pas tout à fait préparé à l'idée de le voir arriver ou surgir rapidement. Mais parce qu'on l'avait vu pendant tellement longtemps à notre écran, sur l'ordinateur, que l'idée de le voir en taille réelle, c'était quand même un peu spécial comme idée. Et l'attente était d'autant plus intense, parce qu'en fait, à différence du béton, par lequel la scène musicale est construite en majorité, le béton, c'est un matériau qui prend forme au fur et à mesure, tout le long du chantier, tout le long du coulage, pendant longtemps, et des longues semaines, des longs mois. Mais alors, le panier, ou quand même la charpente, l'auditorium, c'est une sorte de mécano, c'est un grand mécano, composé de pièces, dans cette particularité, des pièces en bois, qui étaient issues d'un processus industriel très performant et très fin de façonnement. Et en fait, ces pièces, elles sont arrivées sur site par barge, et déjà par barge parce que la pointe aval est tellement étroite qu'il n'y avait plus de place pour les stocker quelque part. Et très rapidement, on a vu surgir ce bâtiment dans une sorte de voltige d'assemblage qui était inespérant. Ouais, c'est un défilé aérien, parce que les éléments, ils montaient par les grues, avec les alpinistes qui étaient en équilibre pour le monter, pour l'assembler. Sincèrement, c'était vraiment un dépaysement soudain. Mais en fait, on parle de ça parce que en fait, cette expérience pour nous, c'était vraiment très importante. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous a forgés. Ça nous a forgés autant qu'architectes, parce que quand on a dû être confronté pendant toute la durée du projet, chaque étape du projet jusqu'à l'exécution, cette expérience nous a poussé à acquérir une capacité de compréhension et d'analyse des problématiques du terrain, mais surtout à devoir répondre à tellement vite à toutes ces problématiques pour le parfait achèvement de l'ouvrage selon l'image architecturale que Shigeru Ban et toute l'équipe avaient imaginé dès sa conception. En fait, cette expérience du chantier, cette expérience disons, d'expérimentation, parce que le chantier, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de partage des connaissances les plus variées, dans lesquelles, en plus, on était de nationalités toutes différentes, donc il y avait vraiment un melting pot de cultures, de pensées, d'attitudes très différentes. Et voilà, ce chantier nous a ouvert vers une attitude nouvelle et ouverte vers de nouveaux matériaux. Vers de nouveaux matériaux, mais aussi vers de nouvelles technologies, parce que sur la scène musicale, des technologies différentes, on en a vu pas mal. Mais surtout, nous a ouvert l'esprit et l'attitude vers une nouvelle façon de construire l'architecture de demain, tout en intégrant les sujets et les problématiques environnementales qui désormais gouvernent notre vie d'aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, quand on pense sans frontières internationales, on imagine
tout de suite le monde, la terre, et plus largement l'environnement. Quand toutes ces années sur le chantier de la scène musicale, et notamment sur la charpente en bois monumentale dont Alessandro nous a révélé tous les secrets, les nombreuses années de collaboration étroite avec Shigeru Ban, nous ont appris à connaître le matériau bois. En effet, Shigeru Ban est maître dans l'utilisation du bois dans l'architecture. Nous avons appris à connaître ce matériau, à l'aimer, lui reconnaître aussi un certain pouvoir pour aider la planète. Ouais. Pour comprendre les avantages du bois, il faut s'imaginer chaque arbre comme une éponge à CO2. Un arbre vivant capte le CO2 de l'air, l'emprisonne dans la matière, et ce, de façon définitive, même après son utilisation dans la construction. Donc, avec une bonne gestion des forêts et en favorisant les circuits courts, plus on utilise de bois dans la construction, plus on capte de CO2, et donc plus on diminue les effets négatifs de l'homme sur Terre. Avec cette connaissance du bois et notre conscience des enjeux environnementaux, nous avons créé, il y a 2 ans, une deuxième entreprise, Arbo2. Arbo2, qu'est-ce que c'est ? C'est le rassemblement de 12 entités, 12 experts du bois, parmi lesquels nous, architectes de ENMI, mais aussi des ingénieurs spécialisés, des fabricants du bois, des industriels, des charpentiers. Cette méthode innovante qui rassemble dès les débuts de la conception d'un projet tous ces experts, à la fois des concepteurs comme nous, mais aussi les constructeurs, les fabricants, permet d'avoir une réflexion globale et pertinente adaptée à chaque projet, d'intégrer toutes les contraintes à la fois architecturales, urbaines, mais aussi environnementales. Environnementales, tout à fait. Cette solution, c'est notre solution pour contribuer à baisser les effets néfastes d'un des plus gros pollueurs au monde, qui est le monde du BTP. Notre ambition, c'est de partager avec le plus grand nombre notre vision de l'architecture. Et notre défi actuel est de participer à la construction des bâtiments des Jeux Olympiques 2024 pour bénéficier de cette vitrine inespérée et montrer au monde entier que notre solution globale fonctionne, qu'elle est pertinente, et s'inscrire, déjà généraliser la construction en bois et s'inscrire dans l'effort collectif vers une excellence environnementale. Parce que il est important pour nous de préserver le monde. Vous avez compris que pour deux et demi, le monde est source d'inspiration et de créativité dans chacun de nos projets. Et en fait, pour résumer, je pense un peu à notre parcours, à notre chemin. Je me souviens juste d'un dicton qu'on m'a souvent dit il y a longtemps. Tu sais, quand tu quand t'es seul, tu peux aller très vite. Je dis oui, mais je pense que désormais, à 2,5, on va beaucoup plus loin.